Lors de l'Assemblée générale de 2008, les membres d'Équiterre avaient exprimé le désir de voir Équiterre élargir sa mission auprès des décideurs et des organisations tout en continuant à agir auprès des citoyens. C'est dans cette optique que le conseil d'administration a adopté le plan stratégique 2008-2012. Ce plan encadre cette nouvelle dimension de la mission d'Équiterre tout en respectant les valeurs qui ont amené Équiterre à occuper la place qu'il occupe aujourd'hui au Québec. Plusieurs actions et projets s'inscrivent déjà dans une démarche plus globale. Entre autres exemples, je citerai le projet À la soupe qui établit un lien entre les fermes locales et les établissements d'enseignement et de santé en vue de les soutenir et de promouvoir des habitudes alimentaires saines et durables. En partenariat avec la Fondation David Suzuki, Équiterre a publié le bilan du Code de gestion des pesticides. Ce bilan, nécessaire après 2 ans d'application, s'adresse tant aux décideurs fédéraux, provinciaux, qu'aux commerçants, qu'aux citoyens. Il propose des actions concertées pour arriver à une pratique horticole plus respectueuse de l'environnement et de la santé, tant au Québec qu'au Canada. Équiterre a aussi créé en 2008 un service conseil pour soutenir par son expertise des initiatives municipales et organisationnelles en développement durable. Nous travaillons depuis avec l'arrondissement Ville-Marie, le groupe Page Jaune, le mouvement Desjardins, pour mettre sur pied des projets qui auront un impact sur des milliers d'employés et de citoyens. Ces exemples montrent la capacité, voire le besoin de changement de nos sociétés vers des modes de vie plus sains, plus durables et plus équitables. Même si Équiterre a élargi son champ d'influence, le citoyen demeure au cœur de ses actions. Elle est en constante réflexion quant à la relation qu'elle désire développer avec ses citoyens membres, particulièrement ceux qui ont le goût d'agir dans leur milieu, d'apporter la mission d'Équiterre au sein de leur communauté. Elle compte agir encore un peu plus auprès de ses citoyens au cours de la prochaine année. Par son action, Équiterre entend bien continuer à contribuer au changement, tant sur le plan local, national qu'international.